Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus à l'occasion de ce nouveau numéro de Parlons Action, le webinaire d'Air Liquide qui est destiné aux actionnaires Air Liquide pour parler de l'actionnariat en pratique. Je suis Hélène Gâteau, je suis très heureuse de vous accompagner pour ce nouveau rendez-vous. Et aujourd'hui, eh bien, la thématique du jour, c'est la transmission d'actions en pratique. Une thématique qui a suscité beaucoup, beaucoup d'inscriptions de votre part. Vous êtes très nombreux à nous avoir rejoints aujourd'hui, nous en sommes ravis. Et pour eh bien, expliquer ce sujet, pour voir ensemble comment et pourquoi transmettre des titres à des proches, ces titres, ces actions à ses proches, je suis entourée aujourd'hui de Anne-Laure Martinon. Bonjour Anne-Laure. Hélène. Vous êtes la responsable du pôle administration des titres chez Air Liquide. Bienvenue, on vous a déjà vu dans Parlons Action. Et puis aujourd'hui, nous sommes également accompagnés de Maître Arlette Darmon. Vous êtes la présidente du groupe notarial Monassier. Bonjour Maître. Bonjour Hélène. Merci d'être là toutes les deux avec nous aujourd'hui. Donc l'objectif, c'est vraiment de rendre ce sujet qui peut être parfois un petit peu complexe, hein, la transmission d'actions, eh bien très concret, on va le voir, grâce à des explications, des clés de compréhension et des exemples pratiques que l'on va adresser aujourd'hui. Eh bien, aux spectateurs qui nous regardent, aux internautes qui nous regardent. Alors, sachez que vous avez aussi la possibilité de nous poser des questions tout au long de l'émission. N'hésitez pas, dans le chat, c'est possible. Alors, évidemment, on ne va pas répondre à des questions extrêmement personnelles relatives à vos patrimoines, vous vous en doutez bien, mais nous pouvons répondre à des questions un petit peu plus générales, donc n'hésitez pas. Et puis, sachez aussi que dans la partie de chat, s'il y a des questions que vous trouvez intéressantes que d'autres internautes posent, n'hésitez pas à les liker parce que ça nous permettra de voir plus facilement celles qui suscitent le plus d'intérêt parmi vous tous. Voilà, donc nous sommes ensemble pendant 45 minutes. Anne-Laure Martinon, pourquoi avez-vous choisi cette thématique de l'actionnariat en pratique et plus particulièrement de la transmission des titres pour ce webinaire aujourd'hui ? Eh bien, l'actionnariat individuel a toujours été très important au sein du groupe Air Liquide. Le capital de la société est détenu par 800 000 actionnaires individuels, représentant 34% du capital, ce qui est remarquable et bien au-delà des sociétés du CAC 40. Parmi ces 800 000 actionnaires individuels, 133 000 détiennent leurs titres directement auprès d'Air Liquide. Et donc, au cours des relations que nous avons au quotidien avec nos actionnaires, nous remarquons qu'ils sont de plus en plus sensibilisés à ces sujets de transmission de patrimoine, pour des raisons fiscales, économiques, bien sûr. Oui. Et donc, voilà pourquoi aujourd'hui, nous voulions faire ce webinaire sur cette thématique-là. Et en tout cas, encore une fois, quand on voit le nombre d'inscrits qu'il y a eu sur ce webinaire, on voit que vous ne vous êtes pas trompé de sujet et que c'est vraiment un sujet qui intéresse les actionnaires. Et donc, vous avez souhaité aujourd'hui avoir l'expertise, profiter de l'expertise de Maître Darmon, qui est notaire. Pourquoi c'était important pour vous d'avoir la présence de Maître Darmon aujourd'hui ? Eh bien, tous ces sujets de fiscalité, de transmission de patrimoine sont des sujets complexes, techniques, et nous, chez Air Liquide, nous ne sommes pas en mesure de conseiller nos actionnaires. C'est pour ça que nous sommes en relation au quotidien avec des notaires, et en particulier avec le groupe Monassier, qui ont des experts tout à fait à même de conseiller nos actionnaires sur ces sujets de transmission, de fiscalité, etc. D'accord. Eh bien, je vous propose qu'on rentre directement dans le vif du sujet avec vous, Maître Darmon. On va essayer de faire un petit peu d'explication justement des termes que l'on utilise. Qu'entend-on réellement par le terme de transmission et est-ce qu'il existe plusieurs modes de transmission aujourd'hui ? Oui, alors la transmission, c'est le fait effectivement de transmettre quelque chose et la transmission, elle s'opérera au moins un jour, au jour du décès. Quand on décède, notre patrimoine, il va automatiquement à quelqu'un, donc à nos héritiers tels que désignés par la loi. Si on n'a pas d'héritier du tout, ce qui est très rare, ça ira éventuellement à l'État et le patrimoine sera transmis à l'État. Mais en tout cas, la transmission s'opérera de toute façon un jour ou plus tard au décès. Mais souvent, on essaye d'organiser cette transmission et de la préparer et on opère des transmissions de son vivant qu'on appelle des donations. D'accord. Alors, si on s'intéresse quand même sur la transmission au moment du décès, est-ce qu'on peut préparer quand même un minimum sa succession ? Oui, c'est même conseillé. Alors, le Code civil a déjà prévu un certain nombre de choses. Notamment, on sait que, de par la loi, lorsqu'on laisse des enfants, nos enfants sont nos héritiers. Et en plus, ils sont des héritiers réservataires. Ça veut dire qu'on ne peut pas les déshériter, sauf sur une toute petite partie
du patrimoine qui dépend du nombre d'enfants qu'on appelle la quotité disponible. D'accord. Donc les enfants recevront automatiquement la part de réserve. Le conjoint marié est également protégé. Le conjoint pacsé, il ne reçoit rien si on ne fait pas un testament. D'où la nécessité quand même dans certains cas de faire un testament pour pouvoir indiquer à qui iront tel ou tel bien, prévoir des legs, prévoir que le partenaire pacsé héritera. Donc il est important de faire un testament. Et puis il y a la protection du conjoint parce que la loi n'a pas forcément été très généreuse avec ce conjoint. Donc on peut consentir à son conjoint une donation entre époux, connue aussi sous le nom de donation au dernier vivant. Alors, contrairement à ce qu'on pense, le conjoint ne recueille pas tout le patrimoine avec cette donation, s'il y a des enfants, mais en tout cas, il aura un choix à opérer et des options à opérer, donc on augmente. Et puis, on peut aussi prévoir d'aménager son régime matrimonial et prévoir des clauses, prévoir ce qui se passerait en cas de décès pour certains biens. Là, on pourrait même déroger à la règle de réserve héréditaire. Et puis, il y a le testament plus classique aussi, où on va prévoir des legs alors au profit de ses enfants ou au profit de ses filleuls, du voisin, de qui on veut en fait. En tout cas, vous conseillez de préparer et d'anticiper sa succession. L'anticipation, c'est toujours gagnant. Oui. Et ce que vous conseillez également, c'est bien de s'intéresser à la transmission de son vivant. Quels sont les avantages, Maître Darmon ? Alors, il y a des avantages fiscaux dont on peut parler peut-être un peu après. Mais il y a aussi des avantages juridiques, on les oublie, mais quand on transmet de son vivant, c'est quand même plus facile d'organiser les choses. Les parents sont là, donc le partage des biens ou les donations se font sous la médiation des D'accord. parents qui proposent. Les enfants, évidemment, accepteront. Donc, ce n'est pas négligeable d'avoir cet accord. Les enfants peuvent aussi poser des questions à leurs parents. Pourquoi ils préfèrent donner tel bien à tel enfant plutôt qu'à tel autre ? Donc, discuter, le prévoir de son vivant, c'est toujours mieux d'un point de vue juridique également. Et puis, il y a certaines clauses qu'on va pouvoir mettre dedans. Parfois, les parents veulent contrôler ou prévoir des réinvestissements ou ce genre de choses. Tout ça peut être prévu de son vivant. Et puis aussi, l'intérêt de pouvoir transmettre à ses enfants, quand ils sont encore jeunes aussi, finalement, une partie de son patrimoine. Oui, bien sûr, parce que quand on transmet, plus on transmet jeune, moins ça coûte cher, et on va le voir. Mais effectivement, c'est aussi un moyen de leur donner des choses pour qu'ils puissent en disposer. Oui. Mais vous savez, les parents, quand ils donnent aux enfants, ils n'ont pas envie qu'à 19 ans, ils achètent une Ferrari ou une voiture de course. Si on ne veut pas faire de publicité, mais souvent, ils ont envie de leur mettre un toit sur la tête, ils s'achètent un appartement. Donc, ce genre de choses peuvent être prévues dans les actes de donation. Alors, aujourd'hui, évidemment, on va s'intéresser plus précisément à la transmission de titres et, en l'occurrence, à la transmission, pour voir évidemment les avantages fiscaux qui sont possibles dans ce cadre-là. Quels sont-ils, les avantages fiscaux lors de la transmission de titres ? Alors, il y en a deux. Le premier, c'est ce qu'on appelle l'effacement de la plus-value. Oui. Dans le cas d'une succession, d'une donation, les montants transmis sont revalorisés. Dans le cas précis d'une donation de titres, on ne tient plus compte du prix de revient initial des titres, mais on le revalorise, au cours de bourse de la veille du jour de la donation. D'accord. Et c'est sur cette base-là que sont calculés les frais de mutation. C'est pour ça qu'on dit que les plus-values historiques sont effacées. Il n'y a pas du tout, on ne prend pas du tout en compte la plus-value non. des titres. Tout D'accord. à fait. Ok, donc c'est un avantage. Absolument. Premier avantage et le second avantage, quel est-il ? Le second, c'est l'application d'un abattement sur les montants transmis. Il existe une exonération totale de frais de mutation tous les 15 ans dans la limite d'un montant dépendant du lien de parenté existant entre le donateur et le donataire. D'accord. Par exemple, dans le cas d'une donation parent-enfant, il existe un abattement de 100 000 euros tous les 15 ans par parent et par enfant. Ça, c'est fixe. 100 000 euros Absolument. Par parent et par enfant Tout à fait. Tous les 15 ans. C'est ça. D'accord. Et on peut encore optimiser la fiscalité en réalisant une donation avec, on appelle, réserve d'usufruit. C'est-à-dire qu'on ne donne que la nue propriété des titres, si on parle de titres, et on garde l'usufruit. Maître Darmon en parlera un petit peu plus loin. On aura l'occasion, effectivement, d'y revenir. Maître Darmon, est-ce que vous pourriez nous expliquer, nous décrire la manière dont sont taxées, justement, les donations ? Elles sont lourdement taxées. Lourdement taxées, bon, comme voilà. ça. Ça commence bien. Très bien. D'abord, il faut savoir que la taxation, c'est la même en matière de succession qu'en matière de donation. Ah, donc là, il n'y a pas de déséquilibre entre... Non, il n'y a pas de déséquilibre, c'est la ouais. même taxation. Simplement, vous allez comprendre pourquoi il est intéressant de commencer les transmissions de bonheur, puisque une fois qu'on a opéré l'abattement, donc on a le montant
que l'on donne. Mm-hmm. Sur ce montant donné, on applique un abattement et oui. ensuite on va taxer avec un barème fixé par l'administration fiscale et ce qu'on appelle un barème progressif. C'est-à-dire qu'il y a des tranches à 5, 10, 15, 20, ça monte jusqu'à 45% entre parents et enfants. De taxation. De taxation. Okay. S'il n'y a pas de lien de parenté, on est directement taxé à 60% sans abattement dès le premier euro. Ah, c'est énorme. C'est énorme, d'autant que les étrangers, le concubin est un étranger. Hein? Donc bien. Le concubin ouais. qui hériterait, pour le qu'on aurait désigné par le testament, pas d'abattement et 60%. Et 60%, ça calme tout de suite. Donc en général, le concubin est rarement avantagé. Dans les testaments, on trouve d'autres moyens de lui donner. Mm-hmm. Donc si je reviens aux parents et enfants, et c'est la même chose pour les petits-enfants, donc il y a des tranches de taxation en fonction du barème, et plus on donne, plus on monte dans les tranches, donc on peut être taxé jusqu'à 45%. Oui. Mais comme l'a dit Anne-Laure tout à l'heure, l'abattement se renouvelle tous les 15 ans, mais les tranches de taxation aussi D'accord. se renouvellent tous les 15 ans. Donc si j'ai utilisé ma tranche à 20%, 15 ans après, elle sera de nouveau disponible. Donc en fait, il vaut mieux être taxé dans les tranches à 20% que de monter dans la tranche à 45%. Ouais. Donc il vaut mieux faire plusieurs donations, mm-hmm. étalées dans le temps, tous les 15 ans, plutôt que de donner l'intégralité. Au moment du décès, si on n'a rien fait comme donation, les enfants héritent de l'intégralité du patrimoine et se trouvent taxés dans les tranches là, plus hautes. Plus hautes, très bien. Je crois que vous nous avez préparé un exemple chiffré, justement, Maître Darmon. Oui, qui est assez... Qu'on comprenne mieux, justement, ces différences, ces écarts entre l'impact financier d'une transmission oui, subie et d'une transmission anticipée. Absolument, parce que cet exemple est assez parlant. Alors, on est parti d'un patrimoine de 3 millions d'euros qui serait transmis aux enfants, avec deux enfants, dans notre cas. Donc, j'ai mes 3 millions, 1,5 million. Donc, en cas de décès, là. Hein, donc, c'est la transmission subie. J'ai rien préparé. Ils c'est héritent... sur la gauche de l'écran. Hein, c'est en cas de décès, ça. Voilà. Oui. Ils héritent de la totalité du patrimoine. Donc, 1,5 million oui. pour chacun. On applique notre fameux abattement de 100 000 euros. Mm-hmm. Donc, taxable pour chacun des enfants, 1 400 000 euros. Compte tenu des tranches et du barème de taxation, les droits à payer serait de 412 678 000 euros par enfant. Par enfant. Donc au total, le coût de cette transmission serait de 825 356 euros. C'est sur énorme. Les 3 millions sur ces 3 millions, ça fait Absolument. Quasiment un tiers. Ouais. Ouais. C'est énorme. C'est énorme. Ouais. Qui doit Donc, les payer d'ailleurs Alors là, en l'occurrence, ce sont les héritiers qui vont les payer. D'accord. Donc en fait, ils vont payer des droits sur des droits. Parce qu'ils vont hériter de sommes d'argent et ils vont vraisemblablement utiliser ces sommes d'argent pour payer des droits. C'est pour oui. ça que je dis qu'on paye des droits sur des droits. Oui, très bien. Si on donne en revanche de son vivant, oui. On a pris le même cas avec un papa qui donne à ses enfants et il leur donne, il a 51 ans, et il donne cette fois-ci non pas les 3 millions d'un seul coup, mais il donne 1 million mm-hmm. à ses enfants et 500 000 chacun, 400 000 après l'application l'abattement. De l'abattement. Le montant des droits redescend à 78 000. 194, c'est déjà beaucoup. Parce qu'on a changé de tranche, en fait. Là. Parce qu'on a changé de tranche, parce qu'on ne dépassera pas la tranche de taxation à 20%. D'accord. Alors que dans le premier cas, on est monté dans la tranche maximum d'imposition. Mm-hmm. On est passé par les tranches à 30, 35, 40, 45. Voilà. Alors que dans le deuxième, on reste dans des tranches à 20%. Mais comme ce papa est ingénieux et qu'il a commencé à transmettre de bonne heure, il a 51 ans, mm-hmm. 15 ans après, il refait une donation. Donc une deuxième, le même montant, les mêmes droits, supposer que la fiscalité ne change pas. Et puis, comme il était très jeune quand il a commencé, il pourra le refaire une troisième fois. Mmh. Et donc, on a donc transmis l'intégralité des 3 millions sur les trois donations, mais en multipliant les abattements, et on est resté dans les tranches de taxation basse. Et là, on a un coût total pour la transmission de ces 3 millions de 489 164 euros. Donc il y a une sacrée réduction. Donc, on est quasiment à moitié moins de taxation que lorsque c'est une transmission au moment du décès. Absolument. Du D'autant donateur. Que, Hélène, vous m'avez posé une question tout à l'heure, qui paye ? Là, en l'occurrence, les donateurs peuvent prendre en charge les droits.
Donc, d'accord, en réalité, ils auront diminué leur patrimoine de ces sommes, donc on paiera moins de droits, on ne paiera pas de droits sur les droits, puisqu'ils auront diminué leur patrimoine de ces sommes. Bon, cela dit, ma question initiale, quand il y a le décès du père qui paye, forcément, là, ce sont les bénéficiaires. Mais là, c'est possible que ce soit le père qui, de son vivant, choisisse aussi, en plus, de payer les taxations. Tout à fait. Très bien. C'est très clair. Merci beaucoup, parce qu'on comprend bien avec un exemple chiffré à quel point c'est avantageux d'anticiper de son vivant la transmission de son patrimoine. Alors maintenant, on va se focaliser un petit peu plus sur la transmission de titres. Est-ce qu'il est possible, Anne-Laure Martinon, de réaliser des donations de titres chez Air Liquide ? Alors absolument, on peut donner des titres Air Liquide. Certaines donations doivent être faites devant notaire obligatoirement, d'autres peuvent être faites sans notaire. À noter que pour donner des titres, il faut que ceux-ci soient inscrits sur des comptes titres. Si des titres sont inscrits sur un PEA, on ne peut les donner qu'au préalable en ayant cassé ce PEA et donc en s'étant affranchi de la fiscalité afférente. D'accord. Alors si on est donc détenteur de titres chez Air Liquide, qui doit-on contacter lorsque l'on souhaite faire une donation de titres Air Liquide ? Tout dépend du mode de détention de ces titres. Si les titres sont détenus auprès d'Air Liquide, donc au nominatif pur, oui, les actionnaires peuvent nous contacter. Nous leur donnons des informations sur les différents types de donations et en fonction de leurs besoins, de leurs souhaits, soit on fera les donations nous-mêmes Air Liquide, soit on leur proposera de se rapprocher d'un notaire. Si à contrario les titres sont détenus dans une banque, les actionnaires doivent contacter directement cette banque ou directement un notaire. Et alors, quand on détient des titres chez Air Liquide et qu'on ne veut pas forcément passer devant un notaire, est-ce qu'il y a des types de donations qui permettent cela ? Absolument. Dans un premier temps, nous avons le don manuel. Le don manuel, c'est une donation à un proche de la main à la main, comme le nom l'indique. Oui. Il peut être fait sans acte notarié. Par contre, il faut remplir un CERFA, un CERFA 2735 pour être précis. Et ce CERFA devra être enregistré au centre des impôts du donataire, donc de celui qui reçoit les titres. Donc ça veut dire qu'on va payer des impôts sur ce don manuel. Si on est en dessous de l'abattement, absolument. D'accord. Tout à fait. L'inconvénient de ce type de donation-là, c'est qu'au moment du décès du donateur, les montants donnés seront revalorisés et réintégrés dans l'actif successoral. D'accord. Donc ça veut dire, oui, qu'on va payer plus que ce... Disons que ce sera revalorisé au moment du décès. Au moment du décès, voilà, c'est revalorisé. Donc, d'accord. Le montant donné ne sera pas figé. D'accord, très bien. Et donc ça, c'est le premier type de donation, voilà, sans passer devant un notaire. Et quel est le deuxième type de donation ? C'est ce qu'on appelle le présent d'usage. Ouais. Le présent d'usage, c'est plutôt un cadeau, hein, d'ailleurs. Hein. Mmh. Un cadeau qu'on ferait à un proche, de manière très simple. Par contre, il faut quand même respecter deux conditions. La première, c'est qu'il doit être de faible valeur par rapport au patrimoine du donateur. Et la seconde condition, c'est qu'il doit être réalisé à l'occasion d'un événement particulier. D'accord. Donc ça peut être anniversaire, fête de fin d'année, etc. Et alors, il a le grand avantage fiscal de ne pas être imposable. Donc, pas de CERFA dans ce cas-là. Pas de CERFA, absolument. Ouais. On ne déclare pas. Donc, pas de déclaration et pas d'imposition. Et quand vous dites que la valeur est en fonction de... Enfin, que c'est une faible valeur, ça veut dire quoi, en fait ? Alors, c'est compliqué de vous répondre parce que les textes ne sont pas précis en la matière. Les textes disent seulement qu'il ne doit pas appauvrir le donateur. Donc, tout dépend finalement du patrimoine. Donc ça, à voir en fonction, c'est vraiment du cas par cas. C'est très individuel. Maître Darmon, est-ce que vous pouvez nous décrire cette fois-ci, vous, quelles sont les donations qu'il faut faire de titres devant notaire ? J'allais dire, toutes les donations doivent être faites devant notaire, c'est obligatoire, c'est prévu dans le Code civil. Le don manuel n'est pas véritablement une donation, c'est vraiment une tradition, le fait de transmettre de la main à la main, mais on ne règle pas les conséquences juridiques. Donc dès qu'on veut faire une donation, il faut aller chez le notaire. Il existe en fait la donation simple, que tout le monde connaît. Donc, c'est effectivement des parents ou un parent qui décide de donner à un ou plusieurs enfants. Il fait un acte de donation à chacun. Il met les clauses qu'il veut voir mettre dans cette donation. Est-ce que c'est une donation en avance sur sa part ou hors part successorale, puisque je vous ai dit que les enfants sont des héritiers réservataires. Donc, cette donation, on la ramènera, comme le don manuel de tout à l'heure, on la rapportera fictivement lors du décès, à la succession, pour reconstituer en fait le patrimoine du parent.
D'accord. Puisque donc c'est une avance en fait. Absolument. Oui. Et donc dans cette donation, on indique si ce qu'on donne est une avance sur sa part de réserve mm-hmm. ou bien si c'est du hors-part, c'est-à-dire que ça s'imputera sur la quotité disponible. Donc pour avantager l'enfant par rapport aux autres, mm-hmm. pour une petite partie qui dépend donc du nombre d'enfants total. Donc cette donation va être rapportée, mais elle va être rapportée pour sa valeur jour décès. Ok, c'est-à-dire ? Donc, je prends un exemple. Vous avez un parent qui donne 100 000 euros à chacun de ses enfants, mais dans deux actes de donation. Il y en a un qui sort de l'étude, qui va tout jouer au casino. Le deuxième va investir dans une start-up. Au moment de la succession du donateur, le notaire va leur dire bon, qu'en sont devenues les sommes que vous aviez reçues. Le premier va dire, écoutez, j'ai pris beaucoup de plaisir, j'ai joué au casino, mais mm-hmm. j'ai tout perdu. Le deuxième va être tout fier de dire, ben, moi, ça a été investi dans ma start-up, comme vous le savez. Et ma start-up vaut aujourd'hui 1 million. Et le notaire va lui dire très bien, vous allez donc indemniser votre frère ou votre sœur de la moitié de votre enrichissement. Donc il a 1 million, son frère en a eu que 100, il y a 900 000 d'écart, il va devoir donner 450 000 euros à son frère. Ça paraît ubuesque presque. Eh bien, c'est la prime à la cigale et pas à la fourmi. Effectivement. Ouais. Donc effectivement, ce n'est pas très juste. Donc nous avons en droit français un autre outil qui est assez exceptionnel que tous les pays européens nous envient, en tout cas tous les pays qui ont la réserve héréditaire. C'est la donation partage qui, elle, va figer les valeurs au jour de la donation. Et là, pour que cette donation soit partage, donc c'est une donation et un partage, et comme on partage les biens, on ne revient pas sur les valeurs qu'on a partagées. Donc les 100 000 euros de départ resteront toujours les 100 000 euros de départ quand on va les réévaluer. La seule condition, c'est que tous les enfants aient reçu un lot dans le partage. D'accord. Donc, s'il y a un petit enfant, un autre, un troisième ou un quatrième qui arrive un peu plus tard alors qu'on a fait une donation partage, je fais écrouler mon effet partage, ma première donation. Donc, il faudra réincorporer cela dans une nouvelle donation partage pour figer mm-hmm. les valeurs. Quand on voit la différence quand même entre la donation partage et donation simple, j'imagine que tout le monde doit choisir la donation partage. Dans la grande majorité des cas, c'est sûr. Alors, il arrive quand même de faire des donations. D'abord, la donation partage n'est faite que pour les enfants. Donc, dès qu'on sort des enfants, ce n'est pas possible. Si je veux donner à mon conjoint mm-hmm. ou donner à des neveux et nièces, ce n'est pas possible. Et puis, parfois, on veut donner à un enfant, mais on ne veut pas donner au deuxième parce qu'il y a une grande différence d'âge entre les deux ou parce que je n'ai pas suffisamment d'argent pour le moment et je compte le faire plus tard. D'accord. Donc, on fait des donations simples et à un moment donné, on réincorpore dans une donation partage. Mm-hmm. Alors, je constate également qu'il y a de plus en plus de dons qui sont réalisés de grands-parents à petits-enfants. Comment ça peut se faire, ça, légalement oui. Et quels sont les avantages Alors, vous avez raison, hein, il y a de plus en plus de donations aux petits-enfants parce que c'est un phénomène de société. En réalité, aujourd'hui, avec l'allongement de la durée de vie, on hérite, on a 65 ans, 70 ans, et les enfants disent à leurs parents, bah, écoute, il n'y a aucun sens à ce que j'hérite, je préfère que tu aides mes enfants à démarrer dans la vie, donc ils en ont plus besoin que moi. Donc on va faire un saut de génération. Oui. Et le législateur, en fait, s'est adapté à ce phénomène de société, puisque depuis 2007, nous avons un outil qui s'appelle la donation partage transgénérationnelle. Donc c'est la donation partage que je vous ai expliqué tout à l'heure, mais fait pour faire un saut de génération. Et là, les petits-enfants vont recevoir des biens pour le compte de leurs parents. Ça s'impute sur la réserve des parents. D'accord. Pourquoi ? Parce que les petits-enfants n'étant pas des héritiers réservataires, ils ne pouvaient recevoir que sur la quotité disponible, d'accord, qui était très limitée. Donc, en fait, le fait d'avoir cette donation partage transgénérationnelle qui permet de dire aux petits-enfants, peu importe si je vous donne plus et que ça impute la réserve de vos parents, mmh. ce que vous recevez, vos parents sont censés l'avoir reçu dans leur part de réserve. D'accord, ok, c'est très clair. Et est-ce que, tout à l'heure, Alain Martineau a parlé de la possibilité de transmettre des actions en gardant les dividendes. Comment ça fonctionne exactement ce Oui, alors c'est de plus en plus fréquent aussi, et particulièrement sur des titres Air Liquide, puisque l'action distribue des dividendes, et il est fréquent que des parents ou des grands-parents veuillent transmettre pour préparer la transmission, mais ils veulent se préserver, ils veulent conserver mmh. le revenu de ces biens, donc le dividende qui va être versé par Air Liquide. Donc dans ces cas-là, ils font une donation de la seule nue propriété. Oui. Ils se réservent l'usufruit leur vie durant, donc toute leur vie, ils toucheront ces dividendes. Ça présente donc un avantage juridique parce qu'ils auront organisé leur transmission, mais il y a aussi un avantage fiscal non négligeable parce que les droits
qu'ils vont payer pour faire cette donation à leurs enfants, ce sera calculé sur la valeur de la seule nue propriété. C'est normal, puisqu'ils n'ont pas les dividendes. Bien sûr. L'usufruit, lui, s'éteindra au jour du décès gratuitement. Il n'y aura pas de droit de succession à payer sur cet usufruit. Et la valeur de cette nue propriété, elle dépend en fait de l'âge de l'usufruitier. Il y a un barème qui a été établi par l'administration fiscale. Plus je suis jeune, plus mon usufruit est important. Mmh. Donc plus la nue propriété est faible et donc moins je paye de droit. D'accord. Voilà. Oui. Ça paraît assez logique et ça paraît surtout très avantageux également comme type de donation. Ah oui, c'est je crois que vous avez un exemple chiffré à nous montrer pour qu'on comprenne bien. Oui, j'ai pris un petit exemple donc, que vous voyez à l'écran. En fait, j'ai pris un exemple qui porte sur une donation d'une somme de 1 million par les parents, par le père ou la mère, qui ont 51 ans. Enfin, le papa a 51 ans, en l'occurrence. On fait une donation en pleine propriété. Chacun des enfants reçoit 500 000 euros. Comme tout à l'heure, on applique l'abattement de 100 000. Le patrimoine taxable, donc le montant des droits par enfant, est de 78 194 euros, soit pour les deux, 156 000. D'accord ? Oui. En revanche, si je décide de ne donner que la nue propriété, donc je me réserve l'usufruit sur les biens, la valeur de mon usufruit, comme j'ai entre 51 et 61 ans, elle est de 50%. Ça, c'est fixé par ce barème. D'accord. Dès que j'ai atteint 61, je passe à 40%. Puis quand j'aurai 71, je passe à 30%, etc. Okay. D'accord ? Donc là, en l'occurrence, j'ai un usufruit de 50%, donc mes 500 000 que je transmets deviennent 250 000 euros taxables. Je pratique mon abattement 200 000 euros. J'ai donc un patrimoine taxable qui va subir les droits de donation de 150 000 euros. Les droits sont réduits à 28 194 par enfant, donc 56 388 versus les 156 000 de tout à l'heure. Très bien. Ben là aussi, on voit à quel point ça peut être avantageux d'utiliser ce type de, absolument, de donation. Donc on appelle ça une donation de nue propriété ou donation en démembrement de propriété. D'accord, très bien. Bon, c'est très clair. On voit qu'il y a beaucoup de termes que l'on oui, utilise, qui sont très précis et qui identifient un type de donation vraiment particulier. Donc c'était important pour nous de pouvoir les définir, de les déchiffrer avec vous et déchiffrer justement très précisément avec des exemples précis comme échiffrés comme vous l'avez fait. Merci beaucoup, Maître Darmon. Alors, on a déjà reçu pas mal de questions en amont de l'événement et puis déjà depuis que vous êtes connectés avec nous en direct. Et je vous propose, eh bien, mesdames, qu'on passe à cet échange de questions-réponses. Et on ne pourra pas répondre à tout le monde, hein, évidemment, parce qu'on avait reçu déjà beaucoup de questions et je crois que ça a encore continué pendant le direct. Mais j'espère en tout cas que grâce aux questions auxquelles nous allons répondre, ça permettra pour tout le monde, de mieux comprendre la majorité des choses sur lesquelles vous posez encore des questions. Alors, voici une première question de Sophie. Combien d'actions peut-on donner en cadeau de fin d'année à un enfant majeur ? Comment faire ? Alors là, on est dans un cas de présent d'usage, Maître Darmon. Alors oui, c'est le présent d'usage, c'est le cadeau. Alors, c'est ce que disait Anne-Laure tout à l'heure. Il n'y a pas de définition, c'est une tolérance de l'administration et c'est une jurisprudence qui a reconnu qu'on n'avait pas à payer des droits à l'État quand on recevait un cadeau. Mmh. La jurisprudence est très différente. Hein. Certains cadeaux très importants ont pu être considérés comme étant des présents d'usage, alors que des plus petits cadeaux ont été taxés dans la jurisprudence. Donc, c'est vraiment du cas par cas. C'est l'administration cas, qui se positionnera. Mais vraiment, le premier critère, c'est de ne pas appauvrir le donateur. Donc, ça doit revenir dans les montants ne doivent pas dépasser ses revenus courants. Mmh. Et deuxièmement, il faut qu'il y ait vraiment une occasion de faire un cadeau. Mmh. Le Noël, l'anniversaire, les fiançailles. Mmh. Et là, dans la question de Sophie, il y avait écrit enfant majeur. Est-ce que ça, c'est un critère qui rentre en compte pas ou pas ? Pas du tout. Là, le présent d'usage, vous pouvez le faire à des petits-enfants. Des petits, majeurs, enfants, exactement. Pas enfants. D'accord, très bien. Alors, seconde question. Alors, on est toujours d'ailleurs sur la thématique du présent d'usage. C'est une question de Hugues. En cas de présent d'usage, quel sera le prix de revient fiscal des titres transférés aux bénéficiaires ? Anne-Laure. Alors, nous, chez Air Liquide, effectivement, on revalorise le prix de revient des titres reçus par le donataire. Et concrètement, on le revalorise au cours de bourse de la veille du jour de la donation.
Donc, chez Air Liquide, on reçoit des formulaires de demande de présence d'usage. Ouais. Et donc, on regardera le cours de bourse de la veille du jour de la date inscrite sur le formulaire, pour D'accord. être tout à fait précis. OK. Donc, c'est vraiment à l'instant T, en fait. Ça. Très bien. Une troisième question, celle d'Alain. Bonjour, j'ai réalisé un don manuel de 30 000 euros à mes enfants depuis environ 10 ans. Et j'ai réalisé un don d'action Air Liquide à mes 5 petits-enfants mineurs. Est-ce que les dons aux petits-enfants entrent en cumul dans la donation à leurs parents, Maître Darmon ? Alors, je pense comprendre la question, j'espère. Je pense que c'est d'un point de vue fiscal. Le but est de savoir si l'abattement utilisé pour les enfants est le même que l'abattement pour les petits-enfants. Puis il y a peut-être une petite confusion entre les montants des abattements, parce qu'on a parlé tout à l'heure de l'abattement de 100 000 euros, mais il y a un abattement supplémentaire qui ne concerne que les dons de sommes en numéraire, vraiment de l'argent. C'est ouais. un abattement supplémentaire qui est de 31 865, qui se renouvelle aussi. Les petits-enfants, eux, ont le droit de recevoir également des sommes de leurs parents. Ils ont un abattement, eux, qui n'est pas de 100 000, mais de 31 865. Donc, c'est le même montant. Pour autant, chacun a ses propres abattements. J'ai l'abattement de 100 000 euros pour mon enfant. J'ai l'abattement de 31 865 pour mes petits-enfants. Et ce n'est pas parce que je donne aux petits-enfants que ça s'appliquera sur celui des parents. Mmh. Les abattements sont séparés. D'accord. OK. Merci. Alors, une autre question. Patrice, comment transmettre des actions Air Liquide de mon PEA à mes enfants, Anne-Laure ? On l'a dit en début d'émission, peut-être que Patrice nous a rejoint en cours de webinaire, mais je vous laisse le rappeler alors. Alors effectivement, on peut donner des titres inscrits sur un PEA, mais avant cela, il aura fallu casser ce PEA et donc s'affranchir de la fiscalité liée au PEA. Cette fiscalité, qu'est-ce que c'est ? C'est si vous cassez le PEA avant les 5 ans de détention, vous aurez à payer les prélèvements sociaux et l'impôt de 12,8%. Mmh. Par contre, si vous le cassez après 5 ans, vous n'aurez que la fiscalité liée aux prélèvements sociaux. Donc, mieux vaut le casser, bien sûr, le plus tard possible. Le plus tard possible. OK. On passe à la question suivante, celle d'Antonio. Ah, alors, Antonio nous raconte un petit peu son histoire. « Étant remarié, je suis l'heureux papy, par alliance, de deux adorables petites filles, du fils en première noce de mon épouse. » Vous me suivez ? Anne-Laure, Maître Darmon, c'est bon. Je souhaiterais leur offrir des actions pour ce Noël. Comment puis-je faire ? Merci par avance pour votre réponse. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions quand Noël approche, justement, pour offrir des actions. Donc, c'est le moment de se poser les bonnes questions. Alors, qu'en est-il pour Antonio ? Qu'est-ce qu'on peut lui apporter comme réponse ? Alors, on va rester sur le présent d'usage parce que si on va sur le terrain de la donation, ça va coûter très, très cher. Ah bon ? Parce que il n'y a pas de lien juridique entre celui qui souhaite donner et son beau-fils, enfin le beau-fils. Et les petites filles de, enfin, c'est petits, ça, de exactement, son beau-fils. Les petits-fils de son beau-fils. Ah. Il n'y a aucun lien juridique. Il y a certainement de forts liens affectifs, ouais. de ce que je comprends. Mais comme il n'y a pas de lien juridique, on serait entre étrangers et ça coûterait 60% de droits de donation. La fameuse tranche, la fameuse taxation dont Absolument. Vous nous parliez tout à l'heure. Absolument. Donc celle D'accord. qui est vraiment rédhibitoire et qui est confiscatoire en fait. Hein. Ok. Donc du coup, il faut rester sur la notion de présent d'usage et donc ça doit être limité. Alors, comme c'est Noël, ça va bien. Ça, c'est bon, raison. Le critère événement est rempli. Reste à voir le montant envisagé. Qui ne doit pas appauvrir Antonio. Exactement, et son patrimoine du coup. Et son patrimoine, très bien. Merci. Ensuite, question suivante. C'est une question pour Aline. Est-il préférable, du point de vue de l'imposition, de transmettre ses actions avant son décès ? Je pense qu'on l'a déjà abordé, mais je crois que ça vaut peut-être le coup de revenir dessus encore, oui, hein, Maître. On l'a vu, hein, donc quand on transmet d'abord, il y a l'organisation juridique qui est quand même très importante. Hein. On dit souvent que les successions peuvent être difficiles parce que les gens sont touchés affectivement, donc c'est plus difficile de réfléchir et de prendre de la hauteur. Donc c'est toujours mieux quand les choses ont été organisées et faites par les parents. Et puis après, il y a un avantage fiscal, on l'a vu aussi, parce que multiplication des donations, parce que réserve d'usufruit sur certains biens, donc on paiera beaucoup moins cher. Mmh. On peut remettre les chiffres que vous nous avez présentés tout à l'heure, qui étaient tellement éloquents, oui, bien sûr. Hein, entre la différence entre la transmission subie et puis la transmission anticipée, pour revoir la différence voilà, de la taxation différence, quand hein, même. Hein, ouais. C'est du simple au triple, là. Hein. Oui, donc ça vaut le coup. Donc ça vaut le coup, effectivement, d'anticiper. Oui.
On passe à la question suivante, je crois qu'on en a encore, hein, oui. Une question de Benoît. Est-il possible de faire une donation d'actions à ses enfants en nue propriété et de conserver les dividendes ? Anne-Laure. Alors, on l'a vu effectivement, mais tout à fait, on peut faire une donation qu'on appelle en démembrement, ouais. C'est-à-dire qu'on démembre la pleine propriété en nue propriété d'une partie qu'on donne au donataire et en conservant l'usufruit. Et donc, dans le cas d'une donation de titres, l'usufruit, qu'est-ce que c'est ? C'est le dividende. Mmh. Donc, les titres vont au donataire, mais les dividendes restent au donateur. Mmh. Et encore une fois, on a vu que fiscalement, c'était aussi intéressant, hein, Maître Darmon. Absolument. Ouais. On passe peut-être à une question suivante également. Cécile, c'est Pierre qui nous pose une question. Je souhaite faire un don de 1 million d'euros à chacun de mes deux fils en gardant l'usufruit, c'est-à-dire les dividendes sur mes comptes en nominatif pur. Comment je peux procéder ? Est-ce qu'il est obligatoire de passer par un notaire, Anne-Laure ? Donc, on a déjà un petit peu répondu dans la question précédente, mais... Alors oui, je pense que vu les montants, Maître, vous ne me contredirez pas qu'il faut mieux aller voir un notaire. Oui, voilà, on est clairement sur des sommes qui, au moment de la succession, vont varier, parce qu'en plus, s'il fait des donations en pleine propriété ou même s'il donne en usufruit, qu'à un moment donné, c'est vendu, donc le rapport de la donation, il ne sera pas équivalent pour les deux et ça peut être un cadeau empoisonné pour celui qui y réinvestira. Donc oui, et puis je pense qu'il y a des clauses à mettre dans ces actes de donation, donc il faut le faire. D'accord, c'est obligatoire ou c'est conseillé ? Après, il pourrait éventuellement, comme ce sont des titres, il peut passer par le don manuel dont parlait Anne-Laure tout à l'heure, qui est un simple transfert, mais il ne règle aucune des conséquences juridiques. Oui. On ne sait pas ce qui se passerait en cas de décès, on ne sait pas si c'est imputable sur la quotité disponible ou sur la part de réserve, est-ce qu'il y a une interdiction de vendre, de disposer ? Voilà, il y a quand même des tas de clauses à mettre dans des actes de donation. Oui, et vous êtes là justement pour nous donner ce conseil-là, qu'il vaut mieux se faire accompagner quand on fait des donations, surtout de ce montant. On passe à la question suivante. Celle de Josiane. Pourquoi doit-on déclarer aux impôts les dons d'actions aux enfants ? Risque-t-il de payer des impôts, Maître Darmon ? C'est le montant des droits de donation, hein, en fait. Donc, effectivement, si on est au-delà de l'abattement et des 100 000 euros, oui, il y aura des droits sur ces dons. Mais il faut se mettre en règle avec l'administration parce que si on ne le fait pas au moment du transfert, au moment du don manuel, oui, ce sera au moment de la succession que les enfants vont se faire rattraper. Un don manuel qui peut être révélé à tout moment par l'administration fiscale. Et l'administration fiscale a jusqu'à 6 ans après le décès du donateur pour venir le taxer. D'accord. Donc, il ne s'agit pas d'essayer d'y aller de façon discrète. Ce n'est pas possible. Non. Question suivante. Celle de Cécile. J'ai hérité des actions Air Liquide de mes parents. J'envisage de les transmettre à mes enfants. Quelle date sera retenue pour le calcul de la plus-value s'ils devaient les vendre, Anne-Laure ? Bien là encore, au moment de la donation, donc chez Air Liquide, on revalorise les titres, comme j'ai déjà dit, à la date de la donation. Donc c'est vraiment la date de la donation qui fait foi pour la prise en compte de l'âge, si je puis dire, des titres et aussi les prix de revient associés. D'accord. Donc c'est la date de la donation de cette femme pour ses enfants. C'est ça, quelle que soit la date de l'héritage. De l'héritage. Ça c'était antérieur, on ne revient pas dessus. Absolument. Ok, très bien. Une autre question, une question de Dan. Est-ce que le fait de donner des actions permet de gommer les plus-values réalisées par le donateur, Maître Darmon ? Oui, enfin je crois qu'Anne-Laure y a répondu tout à l'heure. Comme on paye des droits sur un certain montant, eh bien, on va payer une plus-value à partir du prix d'acquisition. Donc, on a gommé les plus-values antérieures. C'était l'effacement, hein, c'est ça. Très bien. Ensuite, une question de Luc. Combien d'actions peut-on donner à ses enfants pour un événement particulier sans avoir à les déclarer aux impôts, dont Manuel ? On voit que ce sont pas mal les mêmes questions, le même type de questions qui reviennent, hein, tout de même, Anne-Laure. C'est ce qu'on remarque, nous, chez Air Liquide. Hein. C'est vrai qu'en fin d'année, principalement grâce aux fêtes de fin d'année, on voit beaucoup de donations, de présents d'usage en particulier pour les petits cadeaux. Alors là, une fois de plus, hein, comme j'ai déjà dit, on n'a pas de nombre d'actions très claires à communiquer. Tout dépend du patrimoine du donateur et de le fait de ne pas l'appauvrir. Enfin là, on est sur un don manuel. Oui, je pense la question fait confusion. En fait, elle fait confusion parce qu'on parle d'un événement particulier. Donc, on pourrait penser à un présent d'usage. Et là, Luc parle de don manuel. Donc, on était sur la première type de donation sans passer devant un notaire. Alors, le don manuel, donc, on doit remplir un SAFA 2735. C'est le SERFA. Et il doit être déclaré.
Donc, il doit être enregistré au centre des impôts. Oui. Et par contre, il n'y a pas de montant maximum, mais il doit être déclaré et donc potentiellement avoir un impôt si on est au-dessus de la tranche de l'abattement. D'accord. Très bien. Vous vouliez rajouter quelque chose ? Non, c'est ça. En fait, il n'y a pas de montant manuel maximum. On peut donner ce que l'on veut, mais au-dessus de 100 000 euros par enfant, il va payer des droits si on est sur un don manuel. D'accord. Très bien. On a encore des questions, hein. Ça suscite vraiment beaucoup d'interrogations de la part des actionnaires Air Liquide, d'où ça nous conforte sur l'intérêt d'avoir fait cet événement aujourd'hui dans Parlons Action sur cette thématique. Une question de Jean-Paul. Quelle est l'imposition d'un portefeuille en cas de décès du titulaire, droit de succession et ou plus-value? Et en cas de plus-value importante, faut-il liquider le portefeuille à partir d'un certain âge, Maître Darmon? Là, on est sur du conseil assez précis. Oui, oui, alors là, on est en matière de succession. Donc, le montant des droits de succession, ben, ce sera ce que j'expliquais tout à l'heure, hein, taxé au barème progressif, hein, 5, 10, 15, ça dépend en du montant. Tranche, ça peut monter, c'est ça. Ouais. Effectivement, dans des tranches supérieures. Quant aux plus-values, donc, il n'y aura pas de plus-value parce que la donation purge les plus-values, mais la succession aussi purge les plus-values. Ouais. Les héritiers vont recueillir des titres pour une valeur au jour du décès. Mmh. S'ils vendent les titres dès le lendemain, ils n'auront pas de plus-value à régler là-dessus. D'accord. Voilà. Et est-ce qu'il faut vendre le portefeuille à partir d'un certain âge? Ça n'a pas de rapport avec la plus-value. Je vois pas d'intérêt à vendre particulièrement à partir d'un certain âge, oui. Sauf s'il y a un investissement particulier à faire, mais je pense qu'à de l'or, les titres peuvent être vendus très rapidement en cas de besoin. Tout à fait. Et puis surtout, nos actionnaires les plus âgés veulent transmettre plutôt que de vendre leur patrimoine en actions. Il nous reste encore quelques petites questions pour conclure. Une question de Jean-René. En cas de succession entre conjoints pour un compte au nominatif pur. Alors, je ne comprends pas trop, Anne-Laure. Est-ce que vous... Pour nos actionnaires qui ont inscrit leur titre directement chez Liquide au nominatif pur, ouais. En cas de succession, effectivement, nous avons besoin d'un notaire. Hein. C'est le notaire qui nous fait part de la dévolution successorale et de toutes les ordonnances qu'on doit nous appliquer pour le transfert des titres vers les héritiers. Mais tout ça passera par un notaire avant tout. D'accord. OK. Question suivante. Alors, Laurence, j'ai donné la nue propriété de titres Air Liquide à mes enfants mineurs. Si dans quelques années, mes enfants ou moi avaient besoin de liquidités et décidons de vendre tout ou partie de ces titres, quelle règle d'imposition s'appliquera, Maître Darmon? Alors là, on est sur une donation en démembrement de propriété qui a été réalisée. Oui. Quand ils vont vendre, le prix de vente, oui. Par essence, il provient d'un droit d'usufruit et d'un droit en nue propriété. Oui. Donc le prix de vente, il doit être lui-même démembré. D'accord. Ce prix de vente, soit ils le réinvestissent dans quelque chose qui va être démembré, c'est ce qu'on appelle un remploi. Ils sortent du titre Air Liquide et ils achètent un immeuble. Mm-hmm. Donc s'il y a remploi, la plus-value qui sera payée lors de la cession est à payer par le nu propriétaire. Je pense que c'est ça le sens de la question. Mm-hmm. Voilà, parce que quand on vend, on paye des plus-values pour le coup. Ce n'est pas les mêmes plus-values parce qu'on a acheté l'usufruit avant de donner la nue propriété. Mais voilà. Mais le redevable de l'impôt et le mode de calcul dépend en fait de ce que l'on va faire des fonds derrière. Donc, la deuxième possibilité sur ce prix de vente, on a vendu, on va tout laisser à l'usufruitier. Oui. C'est ce qu'on appelle un quasi-usufruit. Donc, l'usufruitier reprend ce qu'il a donné et il remboursera au plus tard au jour de son décès la somme qu'il doit au nu propriétaire, ça sera pris sur sa succession sans qu'il ne repaye des droits dessus puisque ça avait été payé. Mais là, la plus-value est payée par l'usufruitier. Troisième possibilité, l'usufruitier et le nu propriétaire décident de se répartir le prix de vente. Ouais. En fonction, tout à l'heure, mon barème disait que l'usufruit avait une valeur de 50%. Eh bien, on donne 50% à l'usufruitier, 50% au nu propriétaire. Chacun va payer sa quote-part de plus-value. D'accord. Voilà. C'est pas si simple. C'est pas si simple. Hein. C'est très technique, mais effectivement, il faut quand même savoir qu'en matière de plus-value, quand on vend des titres démembrés, de ce que l'on fait de l'argent va déclencher le redevable de l'impôt, en fait. D'accord. OK. Donc, dans ces cas-là, il vaut mieux peut-être aussi se faire conseiller. Conseiller, hein, puisqu'on voit que ça dépend vraiment de ce qu'on souhaite faire de l'argent. Exactement. Ouais. C'est le rôle du notaire dans ces cas-là. Oui, absolument. Ouais.
Il nous reste encore deux questions, mesdames. Alors, une question, qu'en est-il des actions gratuites en cas de transmission en nue propriété? C'est pour vous, Anne-Laure, ça, les actions gratuites chez Air Liquide. Absolument. Donc, tous les deux ans, Air Liquide, nous distribuons des actions gratuites. Et dans le cas donc, d'une transmission en nue propriété, donc la nue propriété a été reçue par le donataire. Oui. Les actions gratuites vont sur le compte des membrés, mais effectivement, la propriété des titres étant au donataire, c'est le donataire qui recevra les titres. D'accord. Par contre, l'usufruitier recevra plus de dividendes parce que le portefeuille aura été augmenté du nombre d'actions gratuites. Donc, en fait, c'est gagnant-gagnant. Les deux sont, sont gagnants. Ça revient au même processus qu'une action classique, finalement. Absolument. Oui, elle est gratuite à la base, mais finalement, c'est une action comme les autres. D'accord. Allez, une dernière question. Une question de Valérie cette fois-ci. La donation de la nue propriété d'un grand-parent aux petits-enfants est-elle soumise à la même taxation ? Maître Darmon. Alors, le même montant de droit, les mêmes tranches de taxation tout à l'heure, c'est l'abattement qui est un peu différent. Ah oui, de 31 000, c'est ça. Exactement, l'abattement est de 31 865 euros par grand-parent et par petits-enfants. D'accord, voilà. Alors qu'il est de 100 000 quand c'est d'un parent à un enfant. Exactement. D'accord. Eh bien, c'est très clair. Écoutez, je crois qu'on arrive à la fin de ce webinaire qui a suscité pas mal de questions. J'espère qu'il vous aura donné des clés de compréhension pour mieux appréhender cette thématique de la transmission des actions et de la transmission de vos titres Air Liquide. On a vu en tout cas l'importance d'anticiper, l'importance de transmettre de son vivant et l'importance aussi de prendre conseil, que ce soit auprès d'Air Liquide quand vous êtes en mesure d'apporter le conseil ou bien auprès d'un notaire. Merci beaucoup, mesdames, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Sachez que ce webinaire pourra de nouveau être réécouté, revu en replay. Dans quelques jours, il sera mis sur le site d'Air Liquide. Donc, vous pourrez revoir certaines parties ou si vous nous avez rejoint en cours, vous pouvez voir le début de l'émission. Et puis, nous nous retrouvons pour un nouveau webinaire Parlons Action. Je peux déjà vous donner les dates, les 6 novembre et 19 novembre prochains. Vous pouvez voir ces dates sur l'agenda sur le site d'Air Liquide. Et les thématiques vous seront également communiquées à ce moment-là. Merci beaucoup à toutes les deux. Et puis, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Merci à vous d'avoir été si nombreux à nous suivre aujourd'hui pour ce webinaire Parlons Action.